Je suis Jimmy Kanté, je suis le secrétaire à l'organisation porte-parole du comité syndical du CHU Gabriel Touré par rapport à la grève illimitée de la santé. Donc je suis membre de la cellule de communication des deux syndicats grévistes. Donc après 38 jours de grève, nous sommes parvenus à un accord et ce procès verbal de conciliation donc, a été signé entre le gouvernement d'une part et d'autre part le syndicat national de la santé, de l'action sociale, de la promotion de la famille et la fédération des syndicats de la santé, de l'action sociale du Mali FECISAM. Donc c'est un accord qui a été signé le 16 avril 2017. Donc suite au préavis de grève illimité en date du 15 février 2017 déposé par le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille et la fédération des syndicats, la fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale du Mali FECISAM, le ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions a mis en place une commission de conciliation. Donc c'est une commission qui était composée par plusieurs personnes, dont El Hadji Sidi et Konaké, qui était le président, Abdoulaye Maïga, rapporteur, M. Djibi Sissé, des membres, Mohamed Alpha Sissé, membre, Boubacar Tangara, membre, Idrissa Konaté. Donc il était également présent plusieurs personnes, dont des membres du syndicat national de la santé, de l'action sociale, de la promotion de la famille, une délégation conduite par le secrétaire général adjoint, M. Issifou Maïga, également des membres de la FECISAM. Donc il y a également beaucoup de membres du gouvernement qui ont participé aux négociations. Donc la commission de conciliation a donc signé le jeudi 2 mars, donc après 38 jours de grève, on a signé un PV de conciliation. Les travaux de cette commission n'ont pas abouti à concilier les parties le 2 mars. Maintenant, les réunions tenues les 17, 20, 26 et 29 mars 2017 et les 5, 6, 14, 15 et 16 avril 2017 ont permis aux parties de convenir de ce qui suit. Point 1, l'augmentation substantielle des primes de fonction spéciale et de garde. Donc 1.1, les primes de fonction spéciale. La prime de fonction spéciale est augmentée ainsi qu'elle suit. Donc 50% pour compter du 1er janvier 2017. Catégorie A, 38 250. Catégorie B, 31 875. Catégorie B, 25 500. Catégorie C, 19 125. Et contractuel, c'est-à-dire les conventionnaires, 12 750. Maintenant, 50% pour compter du 1er janvier 2018. Catégorie A, 51 000. Catégorie B, 42 500. Catégorie B, 34 000. Catégorie C, 25 500. Contractuel, 17 000. Donc la partie gouvernementale a toutefois informé qu'elle est en train de faire une étude sur l'harmonisation des primes et indemnités dont l'issue peut consister à un nivellement. Accord. Concernant le deuxième sous-point pour les primes de garde, le gouvernement a informé que deux correspondances ont été envoyées aux structures concernées leur demandant une augmentation de la prime de garde conformément aux possibilités financières de chaque structure. Celles-ci soumettront la question au conseil de gestion compétent pour en décider. La partie syndicale a demandé que les dispositions du procès verbal de 2017 sur le projet soient appliquées en attendant l'étude sur le principe d'augmentation. La partie syndicale donc, informe que dans ce procès verbal, les taux en vigueur sont les suivants. Catégorie A, 4 500 les jours ouvrables et 5 000 francs les jours fériés. Catégorie B, 3 500 les jours ouvrables, 4 000 francs les jours non ouvrables. Catégorie C, 3 000 francs les jours ouvrables et 3 500 francs les jours non ouvrables. Pour les autres agents, c'est 2 500 francs les jours ouvrables et 3 000 francs les jours non ouvrables. Donc, accord. L'octroi des primes de monture aux travailleurs socio-sanitaires et de la promotion de la femme. La partie gouvernementale a expliqué que les déplacements des agents sont pris en charge par le décret numéro 2016-001-PRM du 15 janvier 2016 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnité de déplacement et de mission. S'agissant des campagnes d'intervention sur le terrain, le gouvernement a assuré que celles-ci donnent lieu à des mises à disposition de moyens de déplacement avec des frais d'entretien et de rations alimentaires. S'agissant donc la partie gouvernementale s'est engagée à rappeler aux structures de santé l'obligation de la prise en charge des déplacements des agents sur le terrain. Accord partiel. Maintenant, concernant l'intégration des émoluments des billets appartenant dans le salaire, les parties ont décidé de la mise en place d'une commission tripartite pour étudier la question. La dite commission aura, entre autres, comme élément d'analyse le rapport du voyage d'études qui aura lieu dans certains pays voisins sur la question. Le maintien et l'extension, le point concernant le maintien et l'extension des primes et ressources à toutes les structures génératrices de revenus, de ressources,
La partie gouvernementale a expliqué qu'elle a initié une correspondance à l'endroit des hôpitaux en vue du maintien de la ristourne. Elle enverra une lettre circulaire dans les CESCOM et CCRF pour la prise en charge de la dite ristourne. Le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire et le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille initieront chacun en ce qui les concerne une lettre pour demander aux structures génératrices de revenus de prendre des ristournes en charge. Accord. Le point 5, la prise en charge à 100% des soins médicaux des travailleurs sociosanitaires assujettis à l'assurance maladie obligatoire. La lettre circulaire numéro 0305 MSAH, MSHP, MPEF du 27 mars 2017 a invité les directeurs des établissements sanitaires à soumettre la prise en charge du ticket modérateur à leur organe délibérant pour les travailleurs sociosanitaires assujettis à l'assurance maladie obligatoire. Des dispositions sont en cours afin de diligenter l'approbation de la mesure par les organes délibérants permettant une prise en charge à 100% des soins médicaux. Accord. L'intégration dans la fonction publique, le point 6, l'intégration dans la fonction publique des contractuels payés sur fonds propres, sur fonds PPTE. Le processus d'intégration des contractuels recrutés sur fonds PPTE a commencé. Les projets d'arrêté qui sont dans le circuit, contingent 2015-2016, seront diligentés. Pour ce qui est de l'intégration des agents des ASACO, une commission de plaidoyer sera mise en place conformément au procès verbal de 2015 sous l'égide du ministère en charge de la solidarité dans les meilleurs délais. Pour ce qui concerne les contractuels recrutés sur fonds propres, les dossiers de 148 seront après traitement par la DRH Santé transmis au ministère du Travail et de la Fonction publique pour parachever le processus. Le point 7. Le paiement des primes de garde des agents chargés du contrôle sanitaire de la maladie à virus Ebola. Il s'agit des agents employés par la Direction nationale de la santé et la Direction régionale de la santé dans les cordons sanitaires au niveau des gares routières de l'aéroport de Bamako. Les paiements ont été effectués. Accord. Point 8. L'abrogation des mutations abusives des syndicalistes en cours de mandat. Toutes les mutations ont été abrogées par la décision numéro 2017-0136-GR-SIC. CAB 2BP du 8 mars 2017. Accord. Synthèse des points. 8 accords. Accord partiel 1. Désaccord 0. Le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille et la fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale du Mali, FESISAM, ont décidé de lever le mot d'ordre de grève illimité à compter de la date du 16 avril 2017. Bamako, le 16 avril 2017. À 3h30 du matin, ont signé pour la commission de conciliation le rapporteur Abdoulaye Maïga, le président El Hadji Sidi Konaté, pour le gouvernement, le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, M. Amadou Konaté, pour la partie syndicale, le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, le secrétaire général adjoint Issifou Maïga, et pour la fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale du Mali, le secrétaire général adjoint Dr. Seydou Cissé. Mais ce qu'il faut ajouter à ces accords, c'est qu'il y a aussi un point qui concernait l'équipement, le recrutement du personnel qualifié et la dotation des services socio-sanitaires de consommables. Donc sur ce point aussi, il y a eu un accord. Le gouvernement donc s'est engagé à doter les services, les établissements sanitaires de consommables, d'équipement et à recruter le personnel qualifié dans les meilleurs délais. Donc voilà en gros ce qui est convenu. Il y a aussi beaucoup d'autres points qui ont fait l'objet d'un accord le 9 novembre 2016, donc parmi lesquels la formation, les congés de formation et beaucoup d'autres questions visant à améliorer les conditions d'accueil, de soins et d'hospitalisation des malades dans les structures sanitaires du Mali. Ces accords ont été trouvés, mais comme chaque fois, le gouvernement a l'habitude de prendre des accords sans pourtant les mettre en application. Mais cette fois-ci, derrière les syndicats, il y a une base désormais organisée qui veillera à leur application. Donc là, c'est très important. Il s'agit de rappeler donc que c'est vrai que la crise est passée, mais nous allons surveiller le contenu de ces accords comme du lait sur le feu. Oui, nous doutons beaucoup de la bonne foi du gouvernement à appliquer ses engagements. Vous savez, chaque comité syndical du Mali, chaque centrale, chaque bureau exécutif national a dans ses tiroirs un procès verbal de conciliation qui n'a jamais été appliqué. Donc nous pensons que cette fois-ci, vu tout ce que cette grève a entraîné comme désagrément, nous pensons que le gouvernement va pour une fois appliquer à la lettre ce qui est convenu ici. Autrement dit, on n'aura pas d'autre choix que de déterrer l'âge de guerre. Absolument. C'est là où il faut vraiment saluer les militants. Ils ont été vraiment déterminés, ils ont été mobilisés, ils ont été derrière leurs syndicats.
Et donc le mot d'ordre a été suivi à 100% par les militants. Et aujourd'hui, le mot d'ordre de lever également de grève a été suivi. Toutes les structures sanitaires du Mali sont actuellement en train de travailler normalement comme si la grève n'avait jamais lieu. Le dernier mot, c'est un appel. Un appel aux personnels socio-sanitaires. Vous savez, ceux qui choisissent d'aller dans les hôpitaux, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, c'est parce que souvent ils sont malades. Donc il s'agit vraiment de comprendre que nous sommes là pour le peuple et que ce peuple a droit à un accueil chaleureux dans nos structures de santé et à une meilleure, à de meilleures prises en charge. Là, c'est vraiment important. Et maintenant, l'autre aspect aussi, ça concerne les usagers. Ceux qui arrivent dans les hôpitaux doivent savoir qu'ils ont des droits et qu'ils ont des voies de recours. Donc chaque fois qu'ils arrivent, qu'ils sont lésés, qu'ils sont mal accueillis, qu'ils sont mal entretenus, ils doivent pouvoir le dire et se plaindre auprès de qui de droit de l'administration qui doit être capable de diligenter et de prendre en charge leurs requêtes. Maintenant, le dernier appel s'adresse au gouvernement. Il faut que nos autorités fréquentent nos établissements sanitaires. Comment voulez-vous mettre une politique de santé sur le plat si vous-même, vous ne partez pas vous soigner, si vous-même, vous n'êtes pas hospitalisé dans ces structures? Un ministre hospitalisé dans une structure de santé, à sa sortie, va forcément rendre compte et va forcément interpeller son homologue de la santé. Et je pense que des mesures pourraient être améliorées. Mais le problème est que même si aujourd'hui, une haute autorité du Mali tombait malade, souvent c'est la destination de l'extérieur qui est choisie. Et s'il décidait de rester, ce serait dans les cliniques ou vraiment faire déplacer le médecin du public pour aller le voir chez lui dans son bureau, alors qu'entre-temps, il y a beaucoup de pauvres patients qui attendent dans les établissements publics. Donc le public doit être capable, surtout au niveau des CHU, les CHU doivent être capables de soigner le Malien, quel que soit son niveau social, quel que soit son rang social, qu'il soit ministre ou qu'il soit manœuvre, qu'il soit voleur ou qu'il soit orpailleur, il doit être capable, l'État doit être capable de soigner les citoyens et dans des conditions dignes. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc nous lançons cet appel vraiment aux autorités du pays de faire de la santé une priorité. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans nos établissements sanitaires et souvent des choses qui ne sont pas faisables dans un CHU se font dans des petits cabinets qui ouvrent leurs portes. Au bout de 3 mois, ces cabinets sont bien fréquentés, mieux équipés que les structures sanitaires. Donc c'est regrettable. C'est également de moraliser un peu les passations parce qu'il ne s'agit pas de doter les services d'équipement, mais il s'agit aussi de les doter d'équipements de qualité et surtout des équipements que des manipulateurs sont capables de bien manipuler en mettant aussi un accent sur la formation et sur la maintenance du matériel biomédical. C'est vraiment important. Et je pense que si toutes ces conditions sont réunies, on peut dire alhamdoulilah que le Malien peut venir dans les structures de santé sans crainte et prétendre à des soins dignes de qualité. Docteur Moussa Meïga, né syndicat numéro vous syndicat Mako, Fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale du Mali. Vous êtes numéro le secrétaire général. Je ne sais pas si vous avez dit que vous avez signé. On peut voir mon grand demande quoi faire d'autres droits primes c'est d'autres droits primes qu'à devenir bien primé voilà où les gars quoi ça va le gouvernement est nyonge chamanke au coca mais finalement prime chrome kumbi au kumbi ben wadru ani kime duru ani ani kime où les kumbi d'autres droits fait médecin ou les gars primé donc on peut la monter sans gouvernement au cas où prime ou wadru ni cas où faka wadru fana fana donc on a prime que wata ani kime fly donc oui 100% de accord de prime chrome kumbi. Moi que trouve na coupe à prime mon fragan au wa duruni que mon fragan coupe clanché de 2017 là au clanché to au bout de 2018 là donc oui foray flana fana ko muye o ko prime de garde o coupe lettre ou semaine ka ji directeur ou bema ka yara ka fo ko prime de garde wajibi ok oui wari hakem ko ngadi mo fana ma wa catégorie là yo fana se baka amben o fana ka wori ko nga la une foray maintenant la une flana ko me munu ka. Oui, on a contracté pour l'intégration. On a un contrat de santé, la nuit de santé, on a un contrat de santé. 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 On a un contrat de santé.
olu fana an y'a ye CSCOM minnu bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ u bɛ ka kɛ Mali de ye u bɛ ka kɛ Etat de ye ok mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ o fɔn ASACO na médecin ninnu ni sage-femme ninnu u ka sara tɛ sara ɲɛnama ye waati bɛɛ u ni ASACO bɛ ɲɔgɔn na waati bɛɛ an fɔbu labila u bɛ taa yan u bɛ na yan donc komi u bɛ ka baara kɛ faso de ye faso k'u ta siɲɛ kelen k'u intégrer fɔ ASACO ninnu u fana ka se ka lafiya donc bɛn kɛra u fana kan faso ko ko n'Ala sɔnna k'a b'u ta donc mais k'a bɛ commission dɔ sigi fɔlɔ ni commission sigira commission bɛna discuter o bɛna critères définis critères mɔgɔ minnu kan ka ta minnu man kan ka ta donc commission bɛna o déterminer an kɔni bɛnna o fana kan mais sabanan fana o tun ye jumɛn ye o de tun y'a ye an ko AMO cadre kɔnɔ c'est dɔgɔtɔrɔ depuis AMO ma na décret dɔ tun bɛ yen fait décret 02311 o tun b'a jira ko n'i kɛra dɔgɔtɔrɔ n'i bana dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ i ye dɔgɔtɔrɔ i ye dɔgɔtɔrɔ ye n'i bana i man kan ka analyse sara i man kan ka arajo sara i man kan ka foyi sara. Mais AMO n'a les fait en tant que en bé AMO là. AMO est déjà à Bouanga Sarala. AMO bé Sigiro Biolon Vlasara. Sigiro Bisma Muntura, encore vraiment, Kakoro est depuis AMO Manante Fouissara. Donc Sigiro Bisma est fait en tant que Bouanga Sarala. Donc Ambenoga, donc AMO Dotro, ministre de Koko, Dotro, Nawarsara, AMO Kola. Nico, quand il y a AMO là, il était analysé ni à la journée, il fait un mais Frak, on est fait ça. Ok, on a la ligne d'oeil. La ligne n'a pas encore du mais on a trop trop donc mais mon syndicaliste, mon moyen, mon syndicaliste, elle est même au Congo fort, elle est même au la ligne. Donc en général, il n'y a pas de bien. Donc pour les syndicalistes protégés, ou qu'on a une convention de haut bord, une loi de haut bord, les syndicalistes qu'on va à syndicaliste à la barre à la Rome, à ma gang à mité, à quoi qu'à mité qu'à ce soit à bien RM. Ou de la taxi bien, mais encore un euro dollar. C'est quand sauf en fait la vingt mois donc au mitra quand sera ma beuma donc gouverneur c'est gênant quand décision quand au lufana c'est gênant ou quand barre le corolla en cas d'ailleurs deux francs mais au quotidien au quotidien en cas mois monu quotidien Ebola baraque c'est vrai Ebola on en a battu mon vieux mois d'auta coupla soudaoula coupla autogarla coupla aéroportoula ni mois on en a vu mois température ta vu mois l'ajelage au lufana quotidien baraque bara ou quand bara bané Ebola bané calotan fla ou quand musaka kumaduma donc on est clair que état au calé sonna ko musaka fana ko musaka be duma do fana yi anyo fana keleke ko kera avancer ba di anga mo bro do bakru wala nune ko fewuye ani etat bena munu ka vraiment mu etat ko kabina walia na la sona dans les prochains jours do fana be afa ko bi appartenant mo compliqué le mo ta famia ko sebe anga professeur munu be munu professeur de médecine ou be cours di donc c'est comme nous les karamoy école de médecine en même temps où baraque au téléphone kono do lu be bara fla de ke do bara fla be asara be bo do bo ya fe do bo ya fe pour que ta sara be fra nyon kan chien kile ka ke sara ba kile ka to ka du ma kalo kalo no kera bu nafa e bi nu tra retraite fana na abe u ka retraite fana nafa bo fra nyon kuma ke mais gouvernement ko ko kun côté kuluto ko donc c'est comme kuma voyage do organiser voyage et de voyage de tide amata en ka fe jamana na Burkina ni Côte d'Ivoire ni Sénégal ni Catalogne no bara tableau to comme nayi donc en fana beno kana la sona o voyage beke nantara la jaba ke to comme na o yoronna am saka na fana mali fana am bakko to kula do ni le bakru bay am bena femunu ka pour que ka saka an saka grevu ni wili wada to grevu wili la wa promotion donc voilà ni am bel taille quoi am bel taille ni grevu ni fefe ni avantage mu fo amokola wa be ça concerne tout le monde mon be doctoro yere mon be action sociale la mon be promotion de la femme na abou be concerné prime fana farla kan fana prime nu fana be de concerné. Donc c'est trois ministères, santé, action sociale, développement, action sociale et promotion de la femme. Où nous beka mokode ba kadir kono. Donc trop dron yere yere dronte. Action sociale ka bon kosse, lu ka baraka bon kosse. Parce que lu ba to lu be mokol lu jura to mun be sikita kono. Où lu be yala ka enquête ke pour que kasse ka lu don. Nous lu don bibi na amo fanfala do be afa ko anam. Agence nationale des indigences ni lu jura to dona sikita kono. Donc action sociale mokode papier ke ka ko a karsa ni lu jura to. Watu hana banana wote kifana abe furake fu. Ulu le fana ulu le be anga mwa munu lujurato munu ye handicapé uye. Ulu le fana be debe nyini ka di handicapé numa. Ulu le fana be debe nyini munu uka dembe awa ni seba tuye. Pourke uka dembe se nuka sekata kalange. Ulu le be debe nyini yoro la pourke fantan de uka sekata kalange. Donc wote ye action sociale et économie solidaire wote uka baray. Le promotion de la femme ani l'enfant ulu le fana ulu le be muso ka haki yini ka duma. Uluka ministère bi muso ulu e baraka wori kono muso ka hakke bi yororo muso ka hakke jigine bi yororo bo hakke de nyini ka di muso ma an dem sunu ka hakke donc ministère de la fonction de la femme ni action sociale be a peu près ko bara be kele bara su ka kele mais don nu ulu be occuper muso dem sunu de la mais action sociale ulu be occuper be de la du jura to be yororo ani mo wero ani munu handicapé u be occuper ulu be la
grève depuis que nous voyons par la comme que nous week-end mais depuis que nous par la depuis grève où il a domina qui crée un rail ou artem ni TV5 ni TMD ni Africa Berbo enfin mais ça dit changa m'roba yoro malika donc depuis les 17 matin au matin bara damina yoro bela allez bien sûr ministre il a comme visité là à travers la jacquard donc bara damina tout comme donc comme ça fait bien mais yoro mona bibina bara damina mali yoro bela wa musa fu alhamdulillah gela ka wo gela be bana me du chama kera me ngoni anga mo ama nyina nga mo fe ben kera ben mu ka kona jwala iske an kalo kile ndike ka o kile ka saka doni so an doni mu so mo kona jwala mo tsa ka fembe so ro shekile wati wera am tsa kere wera buluda ka fe wera nyini ka fara anga anya mu nyini ga me bibi na ka fu alhamdulillah mu so la ku wasa do la anga do anga barake parce que amano ko anga sigida anga population sigana ko sebe donc wodi ato an yere anye juru yoba pour que baraka saka damine mais sur an la yini be ma sur 100% mais anye redi sigira ka miri ka yara ka don ka vuko anga population vraiment ou diguna ou signa ou de bato ambe ak mo corona ambe vraiment hakatu ñu nga mo mali malien dembe fe digu sera mo fe mani grevu ko ambe hakatu ñu ni be fe anga la yini kunte anga la yini de condition ga anga grevu fo la condition ga saka améliorer ni baraka ro jora kañe ni baraka mino sur la kañe ni dotro bi la condition na ou n'a pas fallu que je me de yanga banmatoi donc banmato ka do kuni kelai anya ke onudi mais on ko mbi haketu ni befe digum sera mo fe fe mani ni grevu ko no am bi haketu ni no tigu fe bo comme ni senna ni ma ke fe fitini parce que bayi da dola dina ma wu da dola mo chama da dola wo di ba to am ba jigya ka ko zena gouvernement ye musiye na la sona u ba bo a tablo fe donc ma kala ba vraiment ne mo flom nu fo mbi journaliste fo ko se journaliste ni animateur vraiment qu'on a fait dit là on demande grève la conserver parce que nous la population reste la famille quand on grève et comme on la population fana chama reste faire langa quand demande fini que là donc on va fou la population fana faut conserver parce que moi donc la population n'est pas de la couga vous dit que grève que d'autres ou rekama la population ala ni au sababu population a famille connu quelle d'autres ou quelle avec que nous rekama donc la population faut conserver mais folie famba en beau dit en militant anga militant bo yoro ay skalo kelega grevu la mo shima de kayara ko al chien kele kale segena kale torola kanga para damine ou au contraire ban wole wati ka encourager ka antemé kanga tafe fuka nga la yinu sabati donc amanga komo mun ko manko anga syndicat anga militant ambu fo ko sebe ni barane kono wala ame befu merci beaucoup.